là, je pense que c'est le plus gros corps groove gap qui ait jamais été fait. C'est vraiment, c'est abusé, hein. Manpower à côté, c'est de la merde. C'est chaud. Let's go! En plein saut, il a dit qu'il avait glissé. Ça va? What? Allez, déboîtez l'épaule. Ah, shit. Ça va, ça? Ah, putain. Je peux rien faire avec. Ça fait du ninja warrior, c'est bon. On est sur les toits de, d'habitude que vous connaissez, mais on a encore plein d'objectifs. Et moi j'en ai un ici là qui me fait un peu bader. J'ai envie de faire un Lloyd Gap depuis longtemps. Et là je crois que j'en ai trouvé un. L'idée c'est de partir du toit derrière moi là et d'arriver ici. Je me suis fait un petit arrivé smooth, genre avec la toiture végétale. Le truc c'est que je dois en fait viser parce qu'il y a deux obstacles. Je dois arriver entre ça là et ces petites évacuations d'air. Mais bon, l'élan est parfait. Il y a la petite pression qui monte là, mais... Vous êtes prêts ou quoi? Ouais, ouais. On n'a pas plus de temps. Bon là il y a Matt qui vient de faire Lloyd Gap de Carlan. Il s'est bien préparé pour le faire, ça s'est ultra bien passé. Et il y a Shukai qui est en train de se chauffer pour refaire le cork qu'il avait déjà fait sur le même spot. En fait je prépare un petit sol qui accroche. Non mais là je fais une prep en 3-6, ça fait déjà peur alors après si je le fais en 3-6 bah, ça part direct en cork. Hein. 3, 2, 1... Il a crié pendant son saut. C'est la routine. Putain, il est trop chaud. Déjà juste la prep elle fait vraiment peur. Et maintenant il va faire un cork. Je sais pas si je le fais. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai une prep. Ça y est, il va encore s'envoler. Voir un mec popper en cork entre deux toits. C'est de la folie. 3, 2, 1. En plein saut, il a dit qu'il avait glissé. What? J'ai glissé sa mère. Il l'a glissé, mais il a réussi. Heureusement, en vrai, parce que putain, le gap il est énorme. Bon, bah là, le toit il glisse beaucoup trop pour continuer ici. Du coup, on va aller sur un toit juste à côté où on a repéré d'autres gaps et il y a moyen de se faire plaisir. Les gars, ils ont prévu de faire encore des petites dingueries. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 pas. Bon ouais, je suis curieux, il va faire cork ou je sais pas ce qu'il va faire là, mais... En fait, le roof gap, il ressemble beaucoup au manpower au niveau de la distance et du gap. Je pense que Shukai il va kiffer parce que l'arrivée, elle est vraiment smooth. En fait, c'est de la végétation. Du coup, c'est beaucoup plus agréable que des graviers. En fait, il n'y a aucun moyen de sortir après le gap. Du coup, on a pris une échelle pour descendre du toit après le roof gap. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Hey. Avant, je travaillais sur les chantiers, moi. Enfin, j'ai travaillé. Je pense que les gars, ils vont partir en front. Romain et Louis, peut-être qu'ils vont se chauffer. Et puis Shukai, si on arrive à faire un bon élan de palette, pourquoi pas en cork. C'est un malade, ce gars. Chaque fois qu'on fait un roof gap, il veut le cork. Il y a moins de drop, mais c'est quasiment en dimension manpower. Moi, je suis chaud de le faire en droit. Je vais ouvrir le bal et après, ça va chauffer tout le monde. Thank you.
Oh, c'est chaud comment il l'a éclaté. Ok, 3, 2, 1, go. Oh, vu d'ici, c'est chaud, l'épaule là. Le véhicule, ça part vite des fois. Elle est déboîtée l'épaule. Il a trop mal. C'est niqué l'épaule là. Ouais, elle est déboîtée l'épaule. Genre, il faut pas la bouger. Ouais, ça fait croc. Bah, moi aussi, j'ai entendu une claque là. C'était vénère. Moi, j'ai entendu une claque aussi. Hein. Je pense que c'était luxé quoi. Quand il a fini son front, il a pas engagé la roulade. Du coup, il a mangé un gros choc. Et du coup, là, Skip, il a l'épaule décalée, déboîtée, tout ça, tout ce que vous voulez. C'est terrible. Elle est déboîtée là, vraiment. Bah, je sais pas, là, j'ai très très mal. Pas bougé du tout. Je trouve, on va juste la reboîter et ça va être nickel. Faut prier, hein. Oh, y a. Putain, c'est terrible, ouais. Ah. Bah, visiblement, Romain est blessé. Même si on s'entraîne hyper régulièrement, ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri des blessures. Et du coup, faut faire quand même sacrément gaffe. Là, il y a sa mère qui revient du taf, du coup, elle va l'emmener à l'hôpital dans la foulée. On espère qu'il va revenir vite pour bouger avec nous. Mais bon, nous, on va continuer de training. Il y a Shukai qui a des petits projets là. C'est parti. Oh, ça va partir fort. Ça va partir fort. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, c'est sûr, ça part en cork. Cork, ah, c'est sûr. C'est sûr. Si je fais bien spot, ça part fort. Des petites palettes là, genre jusqu'ici là. Enfin, mes trois pas. Je prends max d'élan. Pam, pam, pam. Tout le monde le fait en front, en droit. Je fais ma spécialité, hein. Cork, là. On va se mettre en recherche de palettes, mais en fait, que ce soit bien rapproché, genre ça va pas quoi. Parce qu'il va mettre son pied, ça va être terrible. Avec des planches dessus. Ouais, mec, c'est parfait ça. Ça fait un café. Ouais, mais c'est parfait. Ouais. Le canton, là. Ouais, Mehdi, c'est. Oh, lui. C'est pas légère. Ouais, mais t'es là-dessus, celle-là. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ah, c'est très bien. C'est un genre de départ. Non, t'inquiète pas. Et ça. Moi aussi, ça va clairement le faire. Ça va clairement le faire. Moi je vais le fumer. Oh putain. Bah pour le coup là je pense que c'est le plus gros cork roof gap qui ait jamais été fait s'il le fait. Vraiment c'est abusé, un manpower à côté c'est de la merde. C'est chaud. Ouais. La dernière fois que j'ai fait un si gros saut c'était pour le manpower. Ça date un peu mais en vrai y'a pas de raison, écoute. Hein. Y'a pas de raison pour que ça reparte pas. Pas les déconnes. La chaleur monte à la tête. Attends, je fais des pets. Ah, 100% glissement en fait. Sûr. Je crois qu'il commence à être prêt là, ça y est. Il va pas tarder à l'envoyer. En vrai, même nous on a la pression pour lui, je crois. Ok. Ok les gars. Allez Chouk. Allez. Allez Chouk. 3, 2, 1. Yeah.
L'impression elle est partie là, là je me sens bien là. Oh, mais mec oh, mais mec oh. C'est abusé. Oh putain la vache, on était tous en groupe là. Il y a eu un espèce de silence pendant 2 minutes. Genre c'était un moment trop particulier. Et là il a fait ok les gars, on a tous gueulé. Et là il est parti mec, c'était un truc de fou en vrai. Oh, c'est sensation, c'est un truc de fou parce que c'est lui qui fait le tricks. Mais genre tout le monde le ressent là, c'est ah c'est incroyable, je sais pas comment il arrive à aller aussi loin en cork. Il a inventé une nouvelle technique. C'est vraiment fou. En fait on a regardé un clip un moment au ralenti et au début il est vraiment tout droit. On s'imagine pas du tout qu'il va faire un cork. Et pourtant il arrive quand même à faire un salto, je comprends vraiment pas, il est vraiment trop fort. Eh gros, moi j'ai caché mes yeux, quand je faisais pas la fois je faisais comme ça, comme ça je voyais juste son télé. Folie. Gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois qu'on fait un truc, un roof gap, moi je le fais en droit, il y a déjà du airtime, franchement je suis en l'air, je suis là. Les gars ils le font en front. Et lui il le fait en cork, mais c'est un putain de génie. Un cork. Un cork. Un cork ou quoi? Un double. C'est quoi dans un an? C'est un double. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez kiffé parce qu'elle était plus axée parcours, mais nous on kiffe ça autant que le cliff. Petite annonce, on se donne rendez-vous le 7 juin à Rennes au 4 bis parce qu'on a la chance de pouvoir exposer nos photos. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir deux ans d'exploration, de voyage, de cliff et de parcours derrière l'objectif de Félix. Donc voilà, on vous attend nombreux, ce sera l'occasion de se rencontrer, de se voir, de répondre aux questions s'il y en a. Et on aura aussi en avant-première notre nouvelle collection de vêtements. Donc là j'ai un petit t-shirt, j'ai un des items de la collecte. Je vous montre ça tout de suite. Hop, voilà, c'est une collecte qui sera basée un petit peu plus sur le cliff. Donc on a tout designé nous-mêmes. On aura l'occasion d'en reparler plus profondément dans une autre vidéo où on présentera vraiment bien tous les t-shirts. On a pas mal de petites surprises aussi, il y a des gourdes, il y a des shorts, des maillots, voilà. On va vous présenter tout ça. Il y a un petit logo à l'arrière. Voilà, je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous le 7 juin à notre expo au 4 bis à Rennes, n'oubliez pas. Et dimanche prochain pour les nouvelles aventures. Allez, ciao !